Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et on est encore en attente, ça me saoule. Enfin bon, tu me diras, des fois t'attends une demi-heure, t'arrives dans une partie qui est complète, et des fois t'attends 10 secondes, t'arrives dans une partie qui est incomplète, mais t'attends une demi-heure, après c'est la fin de la partie. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Non, c'est débile. Enfin bon, c'est pas grave. Donc c'est Marcus Bonus, c'est même dans la playroom de l'épisode d'Overwatch, chers amis, qui est déjà en train de rager, le Marcus qui rage allègrement. Et apparemment on a trouvé des joueurs, il nous manque donc 4 joueurs, j'allais dire un joueur dans chaque équipe, mais non, forcément, ça pouvait être sympa à voir, mais non. Bon bah écoute, on va prendre Genji, hein. Renoncez à votre corps, mais jamais à votre mère. Hop. Feuille de thé, arrête-toi de la partie. Pourquoi il y avait un mix allemand Ah bah voilà, par exemple, vous voyez, c'est ça que fait le jeu, par exemple, c'est débile. C'est complètement débile. Hop, on repart dans une nouvelle recherche, même si ça relance automatiquement, je préfère. Merci le jeu. Oh, le matchmaking, c'est de pire en pire. Que ce soit les gens avec qui vous tombez ou la qualité du fonctionnement en question, c'est de pire en pire. Enfin bon, ce n'est pas grave. Il est joli quand même, hein, je regarde, mais il est vraiment joli. Moi, franchement, la seule chose qui... Ouais, non, ça expliquerait pourquoi il saute aussi haut, finalement, effectivement. Mais je verrais bien quelques skins où il aurait pas, justement, tout le backpack et... Parce que franchement, je regardais, imaginons sur le Yeti, regardez, il a des os derrière, mais c'est des os mécaniques, apparemment, allez comprendre. C'est pour garder le côté un personnage intelligent et ingénieur, sans doute, mais bon. Alors que là après tout, moi, je vais pas me gêner, je vais remettre le père tout. Oh, je sais pas. Quand je vois les deux sapins, je me dis c'est vraiment Noël. Qu'ils soient habillés comme un père Noël, je veux bien, mais les deux sapins derrière, c'est... Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh. Par contre, autant celle-là était jolie. Moi, je la trouve jolie personnellement. Et j'ai bien envie de prendre Tracer. Et j'ai pas d'ailleurs sur Tracer en fait la rose rouge. Ah, pourtant, elle est carrément jolie. Elle est carrément jolie. On verra bien ce qu'on va tomber, chers amis. Hein. Et les flingues, ils sont comment? Ah, oh, ils sont jolis aussi. Bon, on va prendre Tracer. J'ai pas envie de la prendre en mode. En mode sprinteuse ou en mode lutin. Lutin, ça va pas le faire. Quoique, ça rendrait bien. Ça rendrait bien. Du vert avant du rouge, ça claque. Le truc qui est bien dégueulasse. Bon, par contre, ça fait 2 minutes qu'on cherche une partie. Ça va pas, là, chers amis. Ça va pas. C'est moi qui parle. J'aurais bien plus... Ah, ça y est, mais il t'étend. Et faites qu'elle soit complète. Oh, putain. Que vous voulez que j'y fasse, chers amis. Bon, bah on va changer de mode, hein, on part en élimination. Je pose la question, hein. On va voir si des gens me répondent. Ah mais je rêve où ils ont carrément enlevé le... Oh ah, pour pas se taper la honte, les développeurs ont enlevé le système qui indiquait la popularité du mode. Imaginez le bordel. Oh là 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 là, ça va plus. Donc sur quoi je partirais comme tarif? Sur un 11 coffre? On verra bien. On verra. Pff. Ils auraient carrément dû le mettre en entrée en scène, ça. Vous voyez ça là? Elle va le refaire! Allez! 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 Me répondez pas surtout! C'était quoi mon temps fort là-dessus? Qu'on rigole? Qu'on rigole? Eh ben on ne le saura jamais! Oh c'est bon ça! Durée en attente. Ok, voilà, c'est bon, on peut partir. Crac!
Wow, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On zilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, oui, on rit dans la piraterie. Désormais, nous sommes tous des soldats. Place au combat. Quoi ? Vache. Rejoignez-moi. Je peux pas passer par là. Rendez-vous à ma position. Hop. Salut. Voilà, il l'a eu. Oui, j'ai entendu le haut dodo. C'était plus ou moins bon signe. Hop. Ok. Tu veux le prendre ou tu veux que je le prenne? Je peux le prendre, y'a pas de soucis. Hein. Je le prends. C'est parti. Voyons voir. Apparemment, il est là pour leur foutre les boules. Appelle-moi gros porc encore une fois. L'homme est un porc. Ah, apparemment, il y a une. What? Demande ce que vient notre Anna. Hop. Mais non! Putain, merci Dark Angel, je te remercie. Crac, hop. Ça c'est fait. J'espère qu'il va pas quitter la partie, qu'on a que ce soit pas annulé quoi. Choisissez votre héros. D'accord. Oui, on rit dans la piraterie. Oh, oui, on rit dans la piraterie. Notre monde volatile. La vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. Voilà. Il est beau. Oh, qu'il est beau le lavabo. Oh, qu'il est laid le bidet. Va pas trop vite. Hop. Et de 1. Tiens toute ma gratitude. Ah bah génial. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Et bah finalement ça s'est plutôt bien passé. C'est rare. C'est rare, c'est rare. Waouh. Qu'est-ce que c'était que ça? Choisissez votre héros. Oula. Jouais-je avec des tricheurs? Oula. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre? Légendaire. Oh putain, du légendaire et deux épiques. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais, mais... Hop. Waouh. Belle boîte. Une belle boîte. Bravo. Bravo à nous.
Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Ça a l'air coton. Je veillerai sur moi. En termes de dégâts, ils ont l'air d'être balèzes. Place au combat. Point décisif. J'espère que tu vas grab. T'es sérieux là? T'es mauvais à ce point? Oh non, mais j'y crois pas! Mais le stunt là! Gâche! Non, c'est bon, j'ai pas l'intérêt à la regarder l'action de ta partie. Hein. J'avais des super mecs avec moi. Le mec, il a. Je suis pas sûr qu'il ait tiré sur le. J'ai hésité en fait entre le heal et le truc, mais je suis pas sûr qu'il ait tiré sur l'ennemi. Parce qu'il était full life quasi instant après, donc. Enfin bon, c'est pas grave. On va jouer encore à Overwatch. Ok. Ça voulait pas. En ce matchmaking. Ce matchmaking. Hop, commence à y avoir des gens qui commencent à dire de ne pas jouer à Overwatch. Hein. Parce que voilà, le jeu perd en qualité. Je l'avais pas, l'épouvantail. Ah bah cool, maintenant je l'ai. Ok, cool. Donc j'ai pas toutes les skins. Ah oui, j'ai pas le feu d'artifice exactement. Et le bouffon non plus d'ailleurs. Mais il est joli, hein. Il est enfin, il est joli. Ouais. J'aime pas le principe que ce soit véritablement qu'une reskin. Ils auraient pu par exemple enlever le côté militaire du truc, quoi. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. J'aurais bien aimé qu'ils sortent un personnage pour cet événement. Beaucoup de personnes regrettent le manque de personnages corps à corps dans ce jeu. Et je le comprends aisément, hein, je le comprends vraiment aisément. Certains aimeraient, j'ai vu ça, un personnage qui est un bouclier quand il sprint. Il pourrait récupérer un sprint plus ou moins identique à celui de soldat, mais qui est un bouclier. Quelque chose qui lui permet d'avancer en fait très rapidement sur un adversaire, mais bien sûr sans être OP. Qu'il fasse une coque de protection littéralement. Et qui puisse tout simplement bah, s'approcher de l'adversaire et aller venir au cac, taper, simplement donner des coups de tatane à l'adversaire. Donc voilà. Ça a été rapide. Désormais, nous sommes tous des soldats. Place au combat. Ok, on suit. Je n'ai pas voulu cette guerre, mais je vais y mettre un terme. C'est ça où en face, non? Hop. J'étais mauvais là. Où est-ce qu'il est notre allié? Ah la vache! J'ai autant de aim que notre... Mais alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il a fait tout ce temps. Tu peux te régénérer un petit peu en termes de heal ou pas? Et de 1, bien joué. Oh, 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 oh. L'insulte! L'insulte! Oh bah alors ça par contre c'était débile. Oh, je rêve où en fait il vient de récupérer son... Alors, je viens de voir ça en live là. Je crois qu'il vient de récupérer son lasso en termes de skill. Enfin, son hook en termes de skill. Mais qu'aussi... Il est en train de vous guaquer par contre, là je veux pas dire. Hein, mais... Alors par contre, t'es mauvais. Hein. Regardez, là il avait plus son hook en main.
Et quand il a récupéré, la skill, le cooldown est terminé, il a récupéré le hook en main. Ça c'est un détail que j'adore. J'adore ce genre de détail. C'est cool. J'adore. Excusez-moi, mais là ça me rend tout content. Vous voyez, j'étais deux parties pourries, mais j'ai le sourire. Donc ouais, non, j'adore ce genre de détails. Ça me choque. C'est dans le bon sens, hein. Hop, voilà. C'est fait. Bah, tant que ça passe. Honnêtement, moi j'ai pas de raison de pas continuer, hein. Excusez-moi. Oh. Je me suis pas complètement remis de la crève que j'ai eue cet hiver, hein. C'est assez violent. Et pourtant, j'ai hâte de pouvoir revapoter, mais je ne peux pas. Putain, j'ai tout le matériel, hein. Je vous montrerai peut-être un de ces quatre le matériel que j'ai. Mais j'ai pas ma box. J'ai pas ma box, malheureusement. Mais je pense que je vais en changer. Peut-être passer sur la relo, j'ai toujours dit relo, mais je sais pas pourquoi. Raté, putain, je suis. En fait, je viens de taper contre le bord de mon. Quelqu'un a besoin de soins. Je sais pas s'il y avait vraiment besoin de tout ça. Hop, bien joué. Ah, j'aimerais bien qu'ils puissent mettre les emotes. Il y a très peu d'emotes qui sont insultantes. Et la plupart qui sont insultantes sont assez longues. Par conséquent, je comprends pas pourquoi ils les laissent pas à la fin de la partie. À part Anzo, ok. Mais alors, non, en fait, non, c'est juste un bug, semble-t-il. Bravo Blizzard. Enfin bon, c'est pas grave. Ok, la suite. Après tout, tant que ça marche, on continue. Chers amis, nous sommes où dans l'épisode? Nous sommes à 17 minutes. On peut encore en faire une, je pense. Ensuite, on partira dans un autre épisode, encore une fois, je pense. Quelle heure il est? Je sais pas. 16h05, oui, je peux encore tourner. Par contre, là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en tourne encore 2, ça me fera 8 épisodes à monter ce soir, ce qui est quasiment impossible. Du coup, par contre, j'aurais pas, ou presque pas, d'Overwatch à tourner cette semaine, du coup, au moins. Ça, c'est cool. C'est cool. J'en ai deux de tournées, sans doute une troisième derrière. Ce qui réduit de 3 vidéos, ce qui me fera plus de 15 vidéos à tourner dans la semaine. J'essaie d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir me... Parce que je pense que je vais aller voir mon meilleur ami le week-end prochain. On verra bien. En tout cas, ça fait plaisir. Je retrouve un petit peu de plaisir à tourner. Comme j'ai été assez fatigué à cause du froid, j'avais du mal à m'y mettre, c'est vrai. Et finalement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, bon bah, c'est encore trop long. Bastion, qu'est-ce qu'on a? On a la steampunk, mais on n'a pas la... Oui, d'accord. J'aimerais revoir la hange. En or. Je peux la mettre là, hein. Après tout, ça lui va très très bien. Alors, j'aimerais voir justement les différentes... Ah, les ailes sont vertes. Ah, j'aurais pas fait une autre couleur d'ailes. Ah merde, non. Bah, tiens, en parlant de de provocation, bah, elle s'appelle justement comme ça. Finalement, pour le combat, dans cette, sur cette skin-là, n'est pas joli. Je vais garder la Angélique. Réplique. Ton ange gardien va très très bien. Une démonstration impressionnante. Prends-en deux et appelle-moi dans la matinée. J'espère que tu as une bonne mutuelle. Je suis ton cas de très près. Tu as pris rendez-vous? Les consultations sont ouvertes. En début de partie, ça peut être cool. Ordre du médecin. Je ne fais pas de miracle. Excellent. Je ne fais pas de miracle. Enfin, pas à chaque fois.
Ça, c'est pour quand je louperai mon ulti à 4 ou 5. Il y avait un truc en bas. D'accord. Ok. Ton ange gardien. Pourquoi pas? Ok, donc il y a bien plusieurs tags, donc c'est moi qu'il faudra que je les... Faudra juste que je rajoute un bouton dessus, quoi, tout simplement. Même si... je vois pas véritablement mon terrain. Ça fait 3 minutes qu'on cherche une partie, chers amis, et je suis désolé, on n'en trouve pas. Vive le matchmaking. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Avec un peu de bol, on va tomber sur une partie assez rapidement. Quel personnage je joue? Reinhardt. Reinhardt, je le joue beaucoup. Même si pour l'instant, je vais pas le jouer à cause de cette skin-là pour l'event. Enfin, c'est juste qu'elle me tente pas, cette skin, tout simplement. Là, j'ai beaucoup joué celui-ci, mais j'ai pas beaucoup de trucs débloqués sur lui, je crois. Je suis à 50% ou plus... Ah, je suis à plus de 50% de débloqué. Ouais, mais dont énormément de tags, donc ouais. Ah. Je n'ai pas voulu cette guerre, mais je vais y mettre un terme. J'ai toujours l'œil du tigre. Non, ce sera... Quoique, non, ce sera bien là. J'ai pas voulu cette guerre. Je vais la mettre en bas. Ce sera celle que je lancerai au tout début. Tu faisais pas le poids. Il y a dans l'air comme une odeur de victoire. Ça jette un froid. J'aime bien celle-là aussi. Ok. Là, c'est dommage, j'en ai pas plus. En même temps, elles sont pas top, je trouve. Si, celle-là est cool. Celle-là est cool. Celle-là aussi. Faudrait que je... Ah bah du coup... Là, à l'heure actuelle, ça donne une bonne raison d'avoir les skins assis, vu qu'on peut, enfin, les émotes assis, puisqu'on peut les avoir. Bon, je trouve pas de partie, chers amis. Donc, vu qu'on a dépassé le temps et que je vous ai montré des choses entre temps, je pense que je vais vous laisser là. Je suis désolé, hein, je sais que c'est pas honnête de ma part. Quoi qu'il en soit, les amis, merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et je vais attendre de trouver la partie pour lancer le prochain épisode. Voilà. Salut les gens!